La plus grande fan de Luan, c'est sans aucun doute sa fille, Esmée, née de sa relation avec Florian Rossi en mars 2020. Soprano a invité la chanteuse de 26 ans ce samedi 6 mai à chanter en tant qu'invitée lors de son concert au Stade de France face à quelques 85 000 spectateurs. Pour l'occasion, la coach de The Voice Kids a entonné son titre secret, sorti dans l'album Sentiment en 2022. Une chanson écrite à l'origine en hommage à sa fille, qui se trouvait justement dans les gradins avec son papa. Ce mardi 9 mai, la jeune maman a dévoilé sur Instagram une vidéo de son passage sur scène sur laquelle on peut entendre la fillette appeler sa mère à plein poumon. Au final, ma plus grande fierté, c'est les petits mamans qu'on entend dans cette vidéo. C'est ma plus grande fierté parce qu'ils sont pour moi, a écrit Luan dans la légende de l'extrait. Et d'anticiper certains commentaires en indiquant qu'évidemment, elle portait un casque et qu'elle était protégée du son. L'artiste en a profité pour remercier Soprano de l'invitation et elle n'a pas oublié de mentionner Florian Rossi avec deux émojis cœur. Émus par les adorables cris d'Esmée, les abonnés de Luan se sont empressés de réagir à la publication, trop touchant, OMG je craque, waouh les petits mamans les frissons, et tout le stade qui reprend la chanson, un concert de Soprano qui se transforme en moment 100% Luan, c'était quelque chose ça aussi, 85 000 personnes qui chantent tous en cœur secret, je m'en suis toujours pas remise du mérite si fort, peut-on lire parmi les commentaires. Supérieure à supérieure à Luan, retour sur son évolution physique et ses plus belles coiffures et les rares confidences de Luan sur sa fille désireuse de ne pas exposer son enfant sur les réseaux sociaux, le visage de la petite Esmée n'est pas visible sur la vidéo. Luan veille en effet à garder sa vie privée à l'abri des regards. Elle a pourtant fait une exception dans l'émission de TF1 50 Inside le 6 mai dernier, se confiant sans filtre sur son rôle de mère, « Je crois que je suis en train d'élever une petite fille qui aura très confiance en elle et vraiment trop », a-t-elle révélé, avant de poursuivre, « Mais, en fait, je préfère qu'elle ait mille fois trop confiance en elle et qu'elle ait l'air parfois peut-être arrogante qu'elle ne s'aime pas ». Pour s'assurer qu'elle et sa fille aient une relation épanouie, Luan a par ailleurs indiqué qu'elle est suivie psychologiquement. « J'ai recommencé à aller en thérapie quand elle est née, parce que je me suis dit, à aucun moment je ne veux que mes névroses se posent sur elle. » C'est sûr que tu apprends à grandir quand tu as un enfant, parce qu'aujourd'hui ma priorité dans la vie, ça reste de faire en sorte qu'elle soit toujours bien, et ce n'est pas facile, a expliqué la jeune maman. Crédit photo, Christophe Clovis.